Et donc bah bonjour, bonjour à tous, donc on se retrouve cet après-midi donc dans Car Mechanic Simulator, c'est toujours Mat 29. Et donc pour la première mission sur la donne One, un quart de miles, donc voilà, il nous faut qu'on fasse en fait le temps imparti. Le temps c'est 14-10, donc c'est soit en dessous, soit 14-10 pile. Donc la première chose à faire, je crois que je vais commencer, c'était enlever le filtre et le filtre. Les bougies, le module d'allumage, ça coûte trop cher pour l'instant. Ça, c'est pareil. Qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce qu'on peut changer? Ça, c'est cher. Ce que je peux encore changer, c'est aussi le filtre à essence, la pompe à essence ou pompe à carburant que j'ai enlevé d'ailleurs. Je sais même plus qu'est-ce que j'ai enlevé. Ok, j'ai enlevé déjà tout ça. Donc j'avais commencé à acheter pompe à carburant, filtre à air, faisceau d'allumage avant et arrière. Vu que c'est un V6, c'est les bougies d'allumage. Donc je vais déjà changer tout ça. Je vois même plus combien on a 4006. Et encore, j'ai pas vendu. Donc déjà, les bougies, je peux les vendre. Le filtre, ça aussi, et le faisceau d'allumage, celui-là et celui-là. Alors du coup il me reste 5000. Ben, peut-être le pot d'échappement d'ailleurs, parce que le pot d'échappement Alors, au niveau du pot d'échappement, les silencieux peut-être arrière. Je sais plus qu'est-ce qui coûte le moins cher. Le collecteur, c'est même pas la peine d'y penser. Catalyseur non plus. Le moins cher, ça serait peut-être le plateau d'embrayage aussi. Non, mais là, par contre, ça va être chaud. J'ai enlevé ça alors du coup. Je sais pas qu'est-ce qui coûte le moins cher. Bah peut-être ça aussi. Hein, parce que là il y a 400 ici. 300. Et puis le... Ça c'est 900. Donc je vais changer déjà les... le pot d'échappement AV6 et BV6. Alors, donc cela, il se trouve en dessous. Donc forcément, vous aurez bien vu qu'il y a le prochain Car Mécanique 2015 qui va bientôt sortir, mais qui sortira cette année. Hein. Donc c'est ce jeu-là que je voulais vous parler. Donc du coup, j'aurais... Bah, je vais le dire maintenant, de toute manière, maintenant que tout le monde le sait. En fait, j'ai contribué, donc ben, j'ai participé à leur projet là qu'ils ont mis sur Kickstarter, et donc du coup, ça me permet d'avoir. Donc j'ai pris le maximum, bien sûr. Bah, j'ai donné pas le maximum, mais assez pour avoir plusieurs clés Steam. Donc j'en aurai une pour moi, bien sûr. Hein. Donc j'ai pris l'offre avec 4 clés Steam. Donc 4 clés, donc ça veut dire une pour moi et puis 3 pour celui qui voudront. Mais ça, tant que je l'ai pas, je peux pas le donner. Bon, alors maintenant, donc on a dit ce qui coûte le moins cher, ce serait ça et ça. Alors maintenant. Donc je vais vendre celui-ci et celui-ci. 4000. Bon, avec 4000, on peut s'acheter quoi? 4000. Le silencieux, peut-être. Silencieux central, 1200. Ou alors cela. Du coup, ça, je peux vendre.
Ça aussi. Je vais m'acheter le silencieux central. 1200 et puis on revend le silencieux pour 423. Il nous reste à 2000. Alors soit j'augmente, soit je change de catalyseur. Un catalyseur c'est quand même pas mal, je crois. C'est dans les 2000. Donc. Catalyseur c'est dans les ouais, 2800. J'ai bien envie de changer plutôt tout ce qui est plateau d'embrayage. Alors par contre ça va être chaud. Plateau d'embrayage, vu que c'est un V6, c'est un quoi? Non. C'est une roue motrice arrière. Donc du coup je vais changer ça. Donc, je vais enlever les roues à l'arrière. Je vais pas changer les roues hein, parce que les roues ça coûte cher. J'ai annulé. Tac. Donc il y a cette roue là et puis cette roue ici. Comme ça je vais pouvoir atteindre l'embrayage. En fait il n'y a que certaines pièces qu'on peut changer, qu'on peut modifier pour avoir une puissance élevée et aller plus vite. Donc là maintenant on va soulever tout ça. On peut enlever celui-là, ça, et puis maintenant on peut enlever tout ce qui est boîte de vitesse, donc ça va être le plus chiant. Donc après je remonterai, je vais commencer par remonter peut-être le dessous, je sais pas. Non, celui-ci il faut que j'enlève le démarreur. Démarreur, boîte de vitesse. Puis après on démontera. Alors la butée on va pas la modifier. Par contre le plateau je vais l'enlever. Donc au fur et à mesure on enlève les vis. Et puis comme ça permet d'aller vite. Alors oui, le prochain car mécanique, j'ai hâte de l'avoir moi. Donc là les dernières dernières nouvelles qu'ils ont mis sur le Kickstarter, là où ils ont mis leur. Alors, comment on appelle ça? Alors, leur projet, ils disent que en fait, comme je dis, hein, c'est juste pour que ça aille plus vite en fait, au niveau du. C'est pour ça qu'ils l'ont mis sur ce site-là, pour que ça aille plus vite, qu'ils sortent plus vite et qu'ils coûtent moins cher sur Steam. À peu près 15 euros quoi. Avec bien sûr les DLC gratuits. J'ai vraiment hâte qu'ils sortent. Hein. Et donc dans les dernières informations qu'ils ont dit, il y aura en fait, ils devraient sortir. Ils disent que ça sortira peut-être en avril. Bon. Ils pourraient sortir, si j'ai bien compris. Le filtre. Je vais peut-être aller vendre aussi le. Du coup, qu'est-ce que. Non. Le catalyseur, non, mais qu'est-ce que j'ai. Ah oui, celui-là. Donc, il reste 2005. Alors, soit je change les faisceaux, les. Comment on appelle ça? Les modules d'allumage. Je vais déjà replacer tout ce qui est. Ben, on peut déjà replacer peut-être le débitmètre. Je vais voir si j'ai assez pour m'acheter les modules d'allumage ou les. Ou alors le. Oh, j'aurais dû attendre avant de remettre la boîte. Parce que ça coûte que 1000 l'embrayage. L'embrayage vaut 1000. Je vais aller. On va démonter l'embrayage, tant pis. Je sais plus qu'est-ce que je fais, mais. On va essayer quand même. Voilà. Hop. Je vais enlever l'embrayage, le disque en embrayage.
Et je vais le changer, il coûte que 1000. Alors, disque d'embrayage. Qui lui, normalement, est là. Donc, si je vends le disque d'embrayage que je viens d'enlever, il nous reste 1008. 1008, c'est même pas assez pour s'acheter les modules d'allumage et 1005. Remarque, il nous reste combien là? 1008. Je crois que je vais arrêter là parce que sinon je vais en avoir, je vais plus avoir assez après. Donc, du coup, on va remonter celui-là. Le disque d'embrayage, le plateau d'embrayage. La butée, le démarreur, la boîte de vitesse. Tout ce qui est pot d'échappement. L'allumage. Et après, ça sera bon. Qu'est-ce qui reste après? Le pot. Alors, les. Donc, les bougies. Donc, après, il y aura juste besoin d'aller sur la piste d'essai. Et donc, c'est un truc de vitesse. Donc, c'est il faut aller faire le meilleur temps possible pour tout simplement pouvoir finir la mission. Donc, j'espère pouvoir la finir au moins aujourd'hui. Du coup, ça c'est bon. Donc, le capot, on peut le refermer. On soulève. On se met en dessous. Donc, on met. Je vais peut-être commencer par tout ce qui est pot d'échappement. Le catalyseur V6 qu'on n'a pas changé parce que bon, ça coûte quand même 2800 sur un V6. Le plus gros c'est les roues, hein. Les roues c'est au moins 5000 euros la roue, donc ça fait presque 20 000 pour changer les roues. Enfin, mettre des grosses roues. Donc c'est pour ça que je fais ça. Bon, je vais remettre celui-ci. Celui-ci. Allez, celui-ci. Et puis après, je verrai ce que je ferai. Je vais finir ça. Et puis après, on ira peut-être sur du homme-ci. Je vais essayer de faire sans. Déjà, c'est vrai que dans homme-ci, c'est vachement compliqué de se repérer sur la carte. Parce qu'en plus, il n'y a pas de mini-carte. Alors, c'est chiant. Donc, du coup, on remet les roues. Le joint droit et le joint gauche à l'arrière. Puis après on ira tester ça sur route. Normalement. Donc déjà il faut tout remonter et puis après. Ah il manque encore un truc. Je me suis dit. J'ai complètement oublié mais il manque la. La pompe à carburant aussi. Que j'ai changé. Donc il faut que j'aille la remettre à cette place. Qui est à l'arrière, au niveau du réservoir à essence. Hop. Hop, hop. Allez, c'est parti. Voilà, la pompe à carburant. Alors, donc on a dit 11, 14-10. 14 minutes et 10 secondes. Alors on va voir si je vais réussir à le faire. Ah, c'est limite là. On reste tout droit. Donc là je suis à 9,42 ou un huitième. Et je suis à 14,03. Nickel, ça passe. Ça passe comme une lettre à la poste. Donc ça c'est fait. Donc du coup. Excusez-moi.
Là, j'en ai pour quelques jours avec ça, avec ce mal de gorge. Donc logiquement, peut passer à la mission suivante. Donc en fait, l'argent qu'on gagne sur cette mission, il nous le donne au début pour pouvoir modifier la voiture. Je sais pas combien on va recevoir d'argent pour modifier la voiture. On va voir ça tout de suite. Donc là, on gagne 4 000, ben, on reçoit 4 500. Donc on a 6 000. Bon, avec 6 000, on peut pas faire grand-chose. Donc on va. Je vais peut-être déjà commencer. Je vais démonter le pot déjà. Le pot et puis. Les bougies. Hop. J'aurais peut-être dû démonter les bougies, tout ce qui est allumage. Et le filtre. Et encore, ça va sur cette voiture, ça coûte moins cher. Parce que c'est des. Il y a moins de pièces que sur l'autre. Puis après, on verra. Donc, je me sors pas mal aussi de ma semaine de ski, donc ça va. La semaine dernière. Donc, on va enlever ça. Je sais pas si j'aurai assez pour le faisceau, pour le module. Au pire, je l'enlève et puis je regarde ce que je m'achète. Allez, on va l'enlever et puis on verra bien ce qu'on. Qu'est-ce qu'on pourra s'acheter? Donc ça, je peux les laisser parce que ça coûte quand même 1 000. Ça, c'est pareil. L'embrayage, peut-être. Donc là, c'est une roue avant. Donc, du coup. On va enlever tout ça. Les joints. Jet dans le prochain, on pourra vraiment tout démonter les pièces, tout réparer, c'est-à-dire de la carrosserie jusqu'au moteur, donc les mécaniques. C'est quand même pas mal. Même les blocs de feu et tous ces trucs-là, quoi. Donc c'est-à-dire qu'ils ont quand même envie. Ils ont quand même fait. Ils vont nous faire quand même un jeu un peu plus amélioré que celui qu'on a actuellement. Donc là, je vais tout simplement enlever ça. Hop. On va tout enlever et puis après on verra ce qu'on fera. Donc ça c'est fait. Donc du coup, je vais enlever le pot. Et on verra ce qu'on achètera. Le pot. Juste le minimum du pot. Et ça permettra, alors le projet permettra aussi d'avoir des DLC gratuits comme dans celui-là. Ça qui est bien. Comme ça, on n'aura pas besoin d'acheter les DLC, on les aura directement dans le jeu. Ce qui sera super. Comme ça coûtera moins cher déjà. Donc je démonte ce que je peux. Maintenant, on va pouvoir aller voir. Ben, du moins, qu'est-ce qu'on pourra s'acheter? Alors je vais commencer par m'acheter déjà les bougies. Donc 1, 2, 3, 4. Le filtre à air. Le faisceau d'allumage. Alors après, donc on arrive à 300. Donc ça fait 400, 300, 100.
À 300, donc il y a le pot arrière, le pot d'échappement avant, le pot d'échappement central. Celui-là peut-être. Je sais même plus qu'est-ce que j'ai acheté. Déjà les bougies, je peux les vendre. Une, deux, trois, quatre. Un filtre à air. Le faisceau d'allumage. 4000. Après, donc pot d'échappement arrière, avant et central. Donc arrière, central, avant et silencieux central. Je vais peut-être acheter le pot d'échappement ensuite. Du coup, celui-là c'est bon. Après, qu'est-ce qui coûte le moins cher? Donc, il y a 1005 celui-là. Il y a le plateau d'embrayage. Celle-ci, je l'ai pas acheté, je crois. Je l'ai enlevé, mais je l'ai pas acheté. Non. Donc, ça, c'est bon. Plateau d'embrayage, c'est bon. Après, je crois que c'est le disque d'embrayage le moins cher. 1000. Ça. 1002 le collecteur. Après, il y a quoi? Il y a le module d'allumage, je crois. Donc, ça, c'est bon. Il nous reste 2000. Donc, si je prends 1005 pour le catalyseur, le collecteur d'échappement. Du coup, je l'ai pas enlevé. Par contre, je vais aller l'enlever. Donc, du coup, on va rebaisser la voiture. Et puis, on va tout simplement démonter le collecteur d'échappement. Voilà. Du coup, collecteur d'échappement, je le vends. Il nous reste 2000, donc on peut s'acheter un module d'allumage. Alors, module d'allumage. Il est où lui? Là. Voilà, donc il nous reste 1000 euros. Ben, on va arrêter là, je pense que ça sera suffisant pour l'instant. Alors, on va remonter les pièces. Donc, déjà, celui-ci. Hop, hop, hop. Voilà. Celui-là, donc les tout ce qui est faisceau, les bougies, le module. Hop. Et tout ce qui est l'admission d'air aussi. Pardon, excusez-moi, mais bon, je suis un peu malade. Bon, j'espère que la semaine prochaine ça ira mieux. Voilà, le dévimètre. Et le tuyau d'admission. Donc l'embrayage,
Quand je dis l'embrayage, c'est tout, hein, l'embrayage. Et puis si personne... Par contre, si personne veut les clés, hein, moi je les donnerai à une personne que je connais. C'est clair. Donc sur le premier épisode de Car Mechanic Simulator 2015, je lancerai un petit... Comment on appelle ça? Un tirage au sort. Pour savoir quelles sont les trois personnes, du moins parce que j'ai pris quatre clés, donc il y en aura une pour moi et puis j'ai tout remonté moi. Et puis trois pour ben, ceux qui voudront quoi. Alors je vais peut-être déjà remonter ça. Déjà je remonte tout ça. Puis après on verra si j'ai le temps de faire autre chose. Je pense pas. On verra. Donc là on est dans le troisième garage. Voilà, donc le silencieux central. Et puis le pas d'échappement arrière. Ainsi que le pot d'échappement. Et puis après, voilà, ça sera bon. Et bien sûr, sans oublier, la pompe à carburant. Tac et tac. Voilà, donc ça c'est bon. Donc il ne reste plus qu'à remettre les roues à l'avant. Avec les joints. Voilà, tranquille. Hop, 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 et hop, ça c'est fait. Alors maintenant, de l'autre côté. Celui-là, ça c'est fait. Tac, et voilà. Donc normalement... Et plus rien dans l'inventaire. Donc alors le temps c'est de faire 16-10. Donc on va sur la piste. Donc on doit faire normalement un temps de 16-10. Alors on verra si je vais le faire encore. Oh là, c'est mal parti déjà. Super de temps. Non, ça va pas le faire. Ah non. 16:44. Bon. J'aurais pas dû dévier ma course déjà. Au pire, je la finirai. Si jamais j'ai pas le temps de finir cette mission, je la finirai hors caméra. Ça sert à rien de faire du tuning, du chip tuning, ça marchera. Ça va rien faire de plus. Je vais la laisser accélérer. On est à 11.01. J'espère pouvoir le faire. Ça passe pas encore. Bon, bah tant pis. Je le finirai hors caméra, et puis c'est tout. Hein. Donc du coup, ben, dans les prochains mois, normalement, je devrais avoir Car Mechanic Simulator 2015. Avec trois clés en plus, pour pouvoir faire partager à celui qui voudra. Donc pour l'instant, il n'y a pas le tirage au sort. Le tirage au sort sera le prochain, le premier épisode du jeu. Hein. Du coup, non, il faut faire 16-10, bon, je verrai ça après. Donc, bah, n'oubliez pas les petits commentaires, les pouces bleus et de vous abonner. Et puis on se retrouve
Du coup, demain pour du MC 2. Donc, ben, du coup, à demain. Allez, ciao ciao tout le monde. Et à demain.